Nous venons jeudi à moi pour aller expliquer avant que vous investissez dans le stock market. En plus, le monde dit que si tu as monté et tu vas l'acheter, tu vas le vendre. Non. Vous avez besoin de considérer tous les facteurs d'abord. Number one, GDP et GDP, c'est-à-dire les gros produits et domestiques produits, inflation et surtout et interest rate. C'est-à-dire que trois facteurs, ça, c'est trois facteurs, ils ont mesuré qui j'en ai avant qu'ils investissent dans nos stacks. Bravo, par exemple, il y a des compagnies qui ont droit à faire, par exemple, dans un pays où ils ont un sacré intérêt, ils ont un high intérêt pour être capable d'attirer ou venir investir dans nos stacks. Comme ça, il y a des compagnies qui ont fait. Ils sont capables de taux d'intérêt ou pas, c'est juste qu'ils n'ont pas besoin d'investir. Facteur ça, il est très très important avant que vous allez investir dans le stack dans n'importe quel pays pour calculer. Quels outils qui utilisent? C'est très simple. Vous allez, bien sûr, outils ça, qui est le TradingView. Vous allez sur TradingView et puis vous appliquez sur le côté marqué color. Et puis vous appliquez sur calendrier. Sous calendrier, la paix va exactement qui j'en pourrais que est-ce qu'il vaut la peine pour acheter stack dans vos bails. Mais c'est comme ça que nous avons une vidéo sur YouTube, tout, gardez-les, et puis vous après tout ce que nous faisons.